Ela gateki. Na cor. Gateki. Na cor. Est-ce que je peux l'associer, c'est une bonne chose? Et puis que là, tu es dedans, tu as vieilli dedans. Et quand il n'y a pas de retraite là-bas, tu es en train de prendre retraite dans cette société. Tu as vieilli dedans. Tu as dit ça une fois à qui? De t'enlever ça. Et pourquoi? La vieille, tu n'es pas allé chercher. Au moins ici, on ne s'envole plus. Ici, tu vas s'envoler. Je vous demande. Tu ne peux pas t'envoler ici. J'ai dit, pourquoi tu ne fais pas sorcellerie si tu ne t'envoles pas? Tu sais quoi ne pas les prendre? Parce que tu sais que je t'envoie ça, tu vas mourir. Tu as gâté qui? Tu as gâté qui? Tes enfants. Vous voyez comment elle veut prendre du temps, ça prend du temps, hein. Écoutez, elle veut d'un seul sorcier. Elle prend une heure déjà du temps. C'est stressant. Non, ça ne veut rien dire. Il ne faut pas généraliser ça. Ça a gâté qui est 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 Viens,
André, il est où? Il est là. Tu as gardé quoi, c'est André? Il a accordé André Bon. On nous voit, il faut retourner, hein? André, il a gardé son travail, c'est un bon. Là, nous, hein. Il s'est dénoué, avant de venir, il dans le noir, quoi, le coup de l'homme, tout à fond, hein? Tu as gardé qui en papa, André? Non, non, d'accord. Tu vois ça? Je suis saint. Ça peut être ta bénédiction. Ça peut ne pas être bon pour toi. Mon souhait, c'est que Dieu te bénisse. L'âge que tu as, en principe, tu devais être bien. Tes enfants devaient travailler, s'occuper de toi. Or, tu viens d'avouer tout à l'heure que c'est toi qui les empêches d'avancer. Comment une propre mère peut mettre l'enfant au monde et être à la base d'un nouvel Oui. Tá bom, não é o nhe. Il va casser tes ailes. Deuxième Dieu. Dieu dit quoi pour y aller là-bas là. Je laisse tel enfant, tu le bénis. Tous tes enfants que tu as cachés, dont tu as caché la chance dans le canari, tu sais, tu donnes le nom de ces enfants, et puis tu les libères. Tá bem, eu acho que
in their place anyway. Mm-hmm. But is it from the affair, from the affair? Go blow up the money up for Dali. I mean, we are going to the affair. On paye les gens pour une nation prophétique, hein? Alors, eux connaissent le pouvoir de la parole. Vous allez demander aux sorciers, vous dites avec la parole, d'appeler son âme, c'est la parole. Les hommes n'ont pas le bonheur, les hommes aiment mieux chez eux. Il n'est pas content.
J'ai détruit tout ton pouvoir. Tout ton pouvoir au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tes yeux spirituels sont cassés. Ton avion est détruit. Tout ton pouvoir est gâté. Au nom de Jésus. J'ai détruit le pouvoir de ta confrérie contre tes enfants au nom de Jésus. Le jour où un membre de ton corps pur voudra s'élever contre tes enfants, qu'il tombe sur le jugement de Dieu. Amen. De Jésus-Christ. Je proclame la délivrance de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bah, quand on a eu le qui doit parler? Bien. On commence à dire à tout. Dis ton nom, ce que tu as fait. Je suis sortie. C'est maman qui m'a donné ça. Je me dis que c'est sorti. C'est pas si pressant. Bon, allons-y. À foi et génie. Qui fait ça? Qui fait ça? Vous avez dit quoi? J'ai dit Yahweh. Yahweh. Cobra. Yahweh. À foi et génie. À foi. Quoi, il y en a combien? Il y a combien? Yahweh. Yahweh. À foi. Cobra, Yao, Egeni, Teia, tout compte fait, je ne parle pas. Ah non, je ne parle pas, je ne vais pas parler parce qu'il faut que toi-même tu reconnais la puissance de Dieu. Je ne parle pas. Comme tu dis 6, moi il dit 10. Non, c'est ça, c'est ta parole contre ma parole. Ok, tu vas finir de parler, on va verser lui là, c'est toi. Si toi tu as raison, on va voir. Je parle ça. Et donnant la possibilité de parler, tu ne veux pas parler. Et si là on parle? Oui, allons-y. Tu as mangé. Est-ce que l'homme a fait pour manger? L'homme, tu vois là, c'est pour manger. Toi, tu es là pour manger l'homme. Est-ce que l'homme est fait pour manger? On écoute ta désaveu. À pas manger là, tu as fait quoi ça? À pas manger là, il y a café dans le. Tu t'écoutes, hein? Ma fille, elle a fait une chasse garçon. Tu veux voir? Elle a fait une chasse garçon. Comment? Non, faut pas me dire. Non, faut pas me dire, j'ai fait ça comme ça. Faut bien expliquer. Ah, explique ce que tu as fait. Madame, expliquez. Il n'a qu'à se marier et il ne veut pas. Hein? Il n'a qu'à se marier et il ne veut pas. Vous faites la comédie. C'est comme ça que c'est de comédie. Depuis quand tu as sorcier, le sorcier va dire à quelqu'un faut te marier. Hein? Tu n'as pas été donné chez les garçons. Pourquoi tu ne vas pas marier? Pourquoi t'en vas pas? Et puis tu dis avec un gars chez un de marié. Par exemple, tu viens faire l'esprit de chez ce garçon-là. Pourquoi t'en vas pas marié? Hein? Il y a bien un gars se marié. Depuis quand ça aussi, il vous faites bonne chose. Qu'est-ce que tu as gâté? J'ai dit, j'aime des pieds quand je la fais pour moi. Il n'a pas payé. Ta fille, je me dis, il ne faut pas sauter le truc, ta fille. Ah, ma fille.
Donc j'ai dit, j'ai chié pour frotter son corps. Et puis, pourtant, il sortait sur son corps. Tu savais quoi? Il a chié pour frotter sur son corps. C'est l'ennemi qu'on bat maintenant. Et puis, pourtant, il sortait sur son corps. Tout allait bien. Ça allait bien. Et tu es contente. Après, j'ai regardé. Tu as regardé comment? Pourquoi? Mais pourquoi tu as fait? Là, quand bouton gratte, quand ça gratte, tu gagnes quoi? Rien. Comment rien? Parce que quand tu mets quelque chose dans la vie d'un quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose que tu recherches. Qu'est-ce que tu fais en mettant le bouton à tu recherchais quoi? Hein? Parce que tu voulais l'avoir souffert. Hein? Oui, puis tu as gardé ton corps. Donc, c'est ça que j'ai dit, j'ai un café qui non, pour ta fille. Ma fille là, c'est ça là. Et après les garçons. Après les garçons. T'as des ferries? Non, je n'ai pas de ferries. Non, je n'ai pas de ferries. Ok. Je la fais sur ces garçons. Comment tu fais? Tu fais quoi? Hein? C'est ma femme. Qui est ta femme? Ta fille, elle est quoi ta femme? La nuit, tu couches avec elle. Maintenant, tu dis que tu as gâté, tu as fait qu'elle est un garçon. Comment tu as fait? Je tape mon fils, la fille, et tu la sors. Tu couches avec elle. Tu as gâté quoi? Tu dis un cher garçon. C'est pas ça? Qu'est-ce que tu as fait pour un cher garçon? J'ai parlé. T'as dit quoi? On parlait de nous et de nous. J'ai parlé de nous et de que on ne peut pas y avoir de mais je ne pense pas que c'est ça. C'est comme ça que tu vas avoir des garçons en garçon. C'est ça? Et c'est un garçon. Donc, vous voyez, les sorciers peuvent changer votre vie. Un matin comme ça, tu deviens la femme de tout le tout, toute la vie. Vous poussez une idée ici. Si c'est pas dit non. Au dragon est là. Ça dit, mais, Guéhi vient, tout le monde est sur toi. Tu cherches. Quand c'est comme ça, on ne parle pas de mariage. Mais quand le jour où il va parler de mariage, c'est fini. Il embrousse. C'est comme si il t'a jamais aimé. Tu commences à sentir. Il te dit, c'est fini. Tu couches avec elle après. Tu as fait comprendre. C'est ta fille la vie. C'est tout ce que tu as fait dans ta vie. De sorcière. C'est tout ce que tu as fait. Non, tu changes pas, hein. C'est la seule qui t'a gâté. La seule fille qui t'a gâté. Hein? Oui, voilà. Tu as gâté une seule personne. Il y a des gens qui t'aiment pas de la terre. Non, je demande. Tu as gâté combien de personnes? En tout cas, c'est ma fille, là, j'ai gâté. Oui. Elle, sûrement. À part elle, c'est fini. C'est pas fini, mais je n'ai pas gâté. Madame, vous avez gâté qui à part sa fille? Vous avez gâté qui? C'est Jeanne. Jeanne, c'est qui? Ma fille Jeanne. C'est qui Jeanne? Voilà ma grand-sœur. Jeanne. Ouais, sa fille. Madame, ici, là, c'est pas, je suis pas en train de penser. Ce que tu as fait là, que j'aimerais que tu dises.
pour qu'on te délivre. C'est tout. Je n'ai pas besoin de parler à toi trop. Ce que toi tu as fait, je vais te dire, voyez ce que tu as fait. Or, ce que tu fais là, dans cette vie là, ça te libère toi-même. Ça te délivre. Tu as fait ça encore. Voilà, je passe une fois. Et la fille que tu as voulu manger là, t'as tué là. La fille que tu as tué là. Hein? C'est dans ma bouche, ça sorti. Hein? Non. Va t'asseoir. Non, c'est pas. Va t'asseoir, j'ai fini. Pardon, Baba. Venez, qui va parler? Baba, pardon. Non, j'ai fini. Pardon. Tu vas rentrer et puis tu vas comme tu ne veux pas délivrer. Baba, pardon. Moi, je te laisse. Pardon, Baba. Non. Baba, je ne suis pas venu. Non, tu rentres. Tu rentres. On va baisser. Tu vas rentrer. Moi, je ne m'occupe plus de toi. Pardon, Baba. Dieu même va se charger de toi. Va t'asseoir. Pardon, Baba. Va t'asseoir. Pardon. Je suis descendu à quelqu'un, on va fatiguer. Non, Baba. Non, hein, viens parler. Je descends à quelqu'un, toi, pas. Non, Baba. Ah, mais ça veut dire quoi ça? Hein? Là, c'est quand oublié. Pardon, papa. Pourquoi mais pas quand on dit que tu chantes les. Si je te force. Non, tu ne te forces pas. Tu es malade, tu as une maladie, on va t'enlever ça. Pardon, papa. Pourquoi il réveille les aveux? Tu sais que ça n'est pas tout. Oh, je vais finir avec une histoire. Je ne veux pas qu'on sente que j'en ai dépassé. Je te force pas. Va t'asseoir. Pardon, va t'asseoir. Comme il est comme il est. On dirait chat qui va attraper quelque chose. On est quand même génial là. On dirait chat. Je t'écoute. Une personne, premièrement, je suis sorti. Et tu es une personne. C'est ma tante qui m'a initié. Mon père m'a envoyé au prison d'aller retirer son argent. En partant, quand il est arrivé à la maison, il a dit à moi, la nourriture. Il a dit à mon père, m'envoie au trésor. Quand il est venu, il va trouver ma part. Là, ma tante dit, ah, voilà pour moi qu'elle a fait pour moi. Mais quand il a pris un mois, la nuit, il va dire dormir, elle est venue me chercher. Quand il est parti dans son royaume. Arrivé dans son royaume, elle demandait à ma tante, ah, mamie, qu'est-ce qu'il y a des nains qui sont au feu? Elle dit non, quand ça cuit, tu vas voir. Mais la chose est cuite, elle a servi tout le monde. Et puis, ils ont donné ma part. Regarde, il y a mangé. Et moi, ma tante, c'était bien de venir, c'est bien de venir. Que c'est bien de ta grande soeur, qui est tuée en 97. Donc, c'est ça, il a fait ça, il est plus préparé de venir. Regarde, un homme, il est bibliothèque régional, il est sur ici. Et là, moi aussi, il est tué. Et puis, elle vient et dit, ah, pourquoi tu tues mon grand frère? Elle me dit, ah, t'as tué ma soeur, voilà pour tuer ton frère aussi. Donc, on a changé en bulle, on a préparé, elle sort sa racine pour moi. Il y a moyen la tête et le cœur. Après ça, il a tué encore. Il a tué. Il y a une jeune fille. On allait dans un funérail. Donc toi, tu tues partout. Oui. Oui, à tes yeux, pardon. Tes yeux, là. Donc tu lèves les gens. Quand tu es là-bas, tu te transformes en quoi? En tigre. Ah, tu as les yeux de tigre. Je me transforme en tigre dans la nuit. Et dans la journée, je me transforme en chat. Ah, c'est les yeux de chat, là, tu fais. Allons-y. On allait dans les funérailles. Mon ami a perdu son beau-père. Sinon, il est parti là-bas. Mon ami dit, ah, tu peux venir m'aider, que tu t'arrêtes là-bas. Donc, il s'est arrêté là-bas. Il s'est arrêté, il y a une fille qui est arrêtée ici. Elle est arrêtée avec mon camarade là. Donc, elle s'est déplacée là, elle est jusqu'à où je suis. Elle dit, ah, toi-même, tu ressembles à diable. C'est la mère qui a dit ça. Elle a fait qu'elle dit son travail. Elle dit pas que c'est un diable. Elle dit, non, mais elle ressemble à diable. Elle lui a demandé, il était fait quoi avec mes chutes. Elle dit non, tu m'as rien fait. Mais il était insulté, il ressemble à diable. Là, il y a les gens aux alentours, les gens lui ont demandé, ah, le Seigneur t'a fait quoi? Et puis tu l'insultes. Il dit non, elle dit non, il m'a rien fait, mais il est diable. Là, elle dit, ah, il était fait quoi avec mes chutes. Il ne peut pas arrêter de m'insulter. Elle dit non, toi, quand tu vois, tu ressembles à diable. Je me demande même pourquoi le Seigneur t'a dit de venir t'arrêter là, que tu ressembles à diable. Là, samedi, il y a 10 heures, quand on a fini d'enterrer le camarade de mon papa,
il n'y a plus la route, même dans nous, on n'a plus la route. Et puis elle suit derrière moi, elle dit diable, diable. Et elle dit à mes amis, ah, allez-y, il y a où tu viens en route. Même si elle est venue sans me trouver, c'est la route. Elle est venue me trouver, elle me dit diable, diable, et puis elle ramasse le sable. Et puis elle gère sur moi, et puis non, il ne faut pas faire ça. Elle a pris en route, elle a lancé ça trois fois, elle a pris pour moi. Puis elle parle dessus, puis elle a lancé. Trois jours après, elle est venue en il y a un dernier à vue, on a après un dernier à regarder un filet petit. Donc, on s'est changé, on s'est changé en char. Et puis, parti par derrière, et puis, il boit pour la tapis. On a transformé en mouton, et on a envoyé la tête et le cœur. Et on a envoyé la tête et le cœur. Troisième personne. Donc, mon père m'a envoyé dans le campement, d'aller donner la nourriture au Manu. Une fois donné la nourriture Manu, nos voisins, il y a deux de ses fils qui étaient sorciers comme moi. Dans la nuit, on dormait, et ils sont en ce temps en hibou. Ils sont allés descendre sur ma toiture. Donc, il a fait jour, c'est parti, il dit, ah, que ça soit vos premiers fois. Et vous avez gardé qui, la vie de qui? J'ai gardé la vie de deux personnes, mon grand frère et ma grande soeur. J'ai gardé le travail. Vous avez déjà gâté le travail de tes soeurs, de tes frères. Je ne suis pas dit dans les lieux de travail. Il y a donné deux au mur, puis c'est rentré dans le mur. Mm-hmm. Je ne suis pas dit dans le bureau de leur patron. Et puis, il y a les bussiers, puis il y a vu leur nom. Il y a barré leur nom. Pour ne pas qu'ils puissent avancer. Ça fait quoi encore comme des gens?